Moi, je dis, on met des petits pansements sur la peine des gens. C'est super important, à mon sens, pour essayer d'avoir un deuil le plus sain possible. C'est jamais facile, un deuil. Super, impeccable, merci. Petite cérémonie religieuse. D'accord, d'accord. Voilà, religieux. Oui. Ouais. Alors, le maquillage. Très léger. Très léger, quelqu'un naturel. D'accord, pas de souci. Il y a plusieurs interventions possibles. Il y a la toilette mortuaire, donc sans injection du tout formolée. Donc on va faire une toilette mortuaire avec une désinfection totale du corps et une présentation bien évidemment. Autrement, il y a les soins d'hygiène et de conservation qui comprennent une injection formolée au vu de conserver le corps dans des meilleures conditions possibles. Mais c'est vraiment un choix de la famille, c'est absolument pas obligatoire. Quand je dis soins de conservation, c'est pas uniquement injecter un corps et faire un soin, j'en prends soin. C'est le dernier soin qu'on peut apporter à une dépouille, à madame, à sa vie, à son vécu. On est dernière personne à vraiment pouvoir en prendre soin. On essaie de le faire avec le maximum de respect possible. Pour que la famille... Moi, je dis, on met des petits pansements sur la peine des gens. Quand les gens sont contents de notre soin et qu'ils retrouvent leurs défunts qui ont été changés par la maladie, c'est super important, à mon sens, pour essayer d'avoir un deuil le plus sain possible. C'est jamais facile, un deuil. C'est la dernière image, il faut qu'elle soit la plus apaisante possible, la plus sereine possible. Je vais commencer mon injection. J'y vais tout doucement au début. Il ne faut pas trop forcer, c'est en injection. Il faut respecter la pression du corps. C'est lui qui va gérer. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste regarder, l'observer. On a beaucoup d'indications. Je vais vous hydrater, madame. Hop. Il y a des gens qui me ramènent carrément leur maquillage, et c'est encore mieux, on est au plus proche de ce qu'était la personne. Leur parfum aussi, c'est essentiel quand on rentre dans une salle de présentation. C'est un métier qui peut être mal perçu, hein, donc j'ai rien à cacher de ce que je fais, mais je rentre pas trop dans les détails. Les gens qui veulent des informations sur ce que je fais aux défunts, ce sera la famille. Il y a des familles qui posent des questions, qui veulent tout savoir de ce qu'on fait. J'étais militaire avant, donc vraiment aucun rapport. Je pense que c'est les expériences de la vie qui font que les décès qu'on a tous vécu dans notre famille. J'ai eu la chance de rencontrer une thanato qui m'a montré son travail, puis ça a été une révélation. C'est ce que je voulais faire. Ça a du sens. Je trouve que mon métier a du sens et je me retrouve complètement dans ce que je fais tous les jours. Il y a des soins, ils sont durs à faire. C'est des soins qui nous font grandir en tant que thanato ou qui nous font prendre une décision comme « je ne ferai plus ». Il y a des soins qui me bousculent sur le plan humain, des choses auxquelles je ne pensais pas avoir à faire. Il y a des soins qui me font grandir, moi. Il y a des soins qui me marquent, il y a des soins qui vont rester en tête un certain temps. Donc on en parle avec les collègues. Je vais être très honnête, oui, il y a des corps, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Les mains, ils vont les caresser, les mains. Ils n'osent pas trop se toucher les visages, mais les mains, généralement, ils les touchent, tout le monde le fait. Moi, je leur dis bon voyage à chaque fois, quand j'essaie de m'occuper d'eux.
C'est un honneur hein, qu'on a. Hein. Les familles nous confient pratiquement ce qu'ils ont le plus cher au monde. Pour ça, il faut le faire dans le plus grand respect. Avec le cœur.